Voici la création, selon Saint Audimat, à la télévision, tous les fidèles matent ces émissions fielleuses, bon nombre s'en régalent, perfides racoleuses, d'esprit à fond de cale. Et la grande industrie évince l'authentique, finit la poésie dans l'univers du fric. Les valeurs artistiques ne sont plus qu'elles étaient, mais devant ce trafic, jamais je ne me tais. Si attachants, ces comédiens en herbe, ces initiés du chant et victimes du verbe, de toute la pression dont la plupart rient, car toutes ces émissions s'inspirent de la connerie. Et je pense à mes copains les plus intelligents que j'aime au plus haut point, tous les intermittents, rebelles, courageux et égaux à eux-mêmes. En me joignant à eux, je dénonce le système. Et voici le magnifique reflet de la société qui porte un nom magique, télé-réalité. Parodie de culture, déni de création, à ça je vous l'assure, ils nous prennent pour des cons. Et avant de clôturer cette émission en direct, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, aux côtés de Cyril et moi-même, sur Nancy Web TV. Alors on va achever cette émission. J'aurai l'occasion de vous reparler juste après ce dernier morceau qui s'intitule In Vain, inspiré d'ailleurs d'un grand artiste. Cette chanson a été composée par moi-même, mais elle a quand même été inspirée par un grand artiste country rock de la trilogie rock'n'roll, Monsieur Johnny Cash. Un grand fidèle du Studio Sun de Sam Phillips en 1954. Et cette chanson, en pensant à lui, s'appelle In Vain.